Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la suite de Pokémon Lune et Soleil. Bon là c'est Lune. Donc nous allons voir la team qui fait des siennes. Donc hop, je vous montre un peu mes Pokémon. Non je peux pas vous montrer, je suis bête. C'est en bas, j'ai pas envie de mettre en bas, donc on les verra en combat. Donc ils sont en bas hein, de toute façon. On y va, tranquille. C'est dans le port. Voilà, c'est là. Salut ma petite, c'est moi, c'est Capitaine Atio. Tout va bien. Et voilà la team. Wesh wesh. Tac. Pas le temps, dis-moi. Ils s'en foutent en fait donc complètement d'eux. Alors ça ne me dérange pas trop là, je préfère pas la peine. Peut-être au carré, ok. Chacun s'en prend en fait. Ok, c'est lui. Go. Go go go. Bon, de toute façon, ils sont. Je suis plus fort qu'eux. Hein. J'ai monté mon truc. C'est Ralty. Ok. Donc ça blade glace. Il level 8. Oh. Donc il est quoi lui? Il est volant. Hop. Oh, il fait chier. What? Je peux pas attaquer? Oh putain, il est confus. Ouais, pas terrible tranche. Et si je fais ça, combo griffe. Putain, il me gonfle avec confus. Connard. Et c'est quoi ça? Tête de fer. Ouh, ça va être efficace. Mais j'en ai pas beaucoup, donc on va faire tranche. Ça devrait être bon. Voilà. Cool, il le monte. Balle glace. C'est quoi balle glace? Alors frappe l'ennemi pendant 5 tours. 30-90. Non, on va garder les anciennes. Ça m'intéresse pas. Et ouais, fini. J'ai tué direct. Tranquille, tranquille. Technique de ouf, je me remets pas de ça. Ah, tu m'étonnes. Bon l'autre aussi je suppose qu'il est perdu hein. Il y a une boue dorée on dirait non? Pas trop mal assuré, t'es pas comme toi d'ailleurs je vais te les soigner. Merci. C'est gentil. Maintenant alors. Non seulement tu es. Pourrais-tu un petit combat? Un petit combat? Ouais, pourquoi pas. On va voir ce qu'il a, est-ce qu'il est fort. Ah oui, il a une boucle d'oreille là, l'oreille droite. Exact.
Il y en a même deux. Mon bouton. Bon, bah, moi, je fais sablette. Efficace, tout est efficace, cool. Ben, on va faire ça, là. Ah, mais c'est là qu'ils veulent le même niveau que moi, donc c'est un petit peu chiant. Hop. Bof, pas terrible ça. Poudreuse, que ça fait? Ah oui, je sais, je connais pas du tout les types, hein. J'ai jamais joué au 4 et 5, même 6, donc il me faut du temps pour mon... Ok, ça c'est nul. Plus s'assied alors. Plus s'assied. Mais carrément même. Enfoiré, potion. Bon, faut toujours être assis, hein, tant que ça marche. On passe pas, non? What the fuck, il est mort? J'ai un oiseau. Hop. Je sais pas comment il s'appelle. Poisson, je sais pas quoi. Alors, oui, on va voir. Bah, 8 attaques. Pour attaquer plus vite que lui, hein. Voyons voir charge, qu'est-ce que ça fait? 9, ok. Ouais, bah façon ça. Hein. Moi je suis sûr qu'il attaque en premier, donc au moins je peux le tuer avant lui au cas où. Il me restera un point après au pire. Donc c'est bon. Voilà. Cool, 10. Bon, je vois pas comment il s'appelle, mais bon, c'est pas grave. On va changer, hein, parce que bon, je pense pas qu'il va tenir. Hop. Qu'est-ce qu'il envoie, lui? Oh, il est marrant avec son pinceau en forme de queue. Tout, 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 tout. Voilà, du calme. Est-ce que c'est efficace? Ouais, ça a l'air. À chaque fois, il m'enlève 10 en fait. Ok. Donc ça me fera 13. Malheureusement, je suis obligé de changer, il va me tuer sinon. Hop. T'as de morve. Ouais, c'est pareil. Bon, bah, j'en sais rien encore, j'ai jamais vu ce mec. On va essayer morsure pour voir. C'est bon. Et niveau 13. Ah, niveau 12 en boulot, c'est cool. Non, c'est du pognon. Alors, tu une bonne dresse. Ah voilà, t'es enfin prête pour l'épreuve de la grotte. La route 2, ok. Et eh bien allons-y à la route 2. Bon, je sais pas où c'est, mais
Allons-y. Route 2, route 2. De toute façon, jour de vie, hein, parce qu'ils sont blessés, ils sont même morts. Hop. Tum, 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 tum. Merci, à bientôt. Route 2, c'est là alors. What? Qu'est-ce que tu me gonfles encore? On a un peu de discussion. Très mauvais sens de l'orientation. J'arrive à me perdre dans des rayons de boutique. Alors les routes, on n'en parle pas. Tu as passé ta première épreuve, c'est ça? Ouais. Dans un vieux livre l'autre jour. Ok. Bah ouais, mais pour le battre, faut pas d'abord que je batte le mes doyens. Mon courage, bah, je te remercie. Tauros. Malheureusement, on n'est pas dans Pokémon Go, ça m'aurait arrangé. Il a dû sortir ton amour avec les Pokémon. Il est l'air aux anges. Non mais regarde-le, on croirait qu'il veut faire un tour des îles. Il veut jouer avec moi, oui bien sûr, bah, si tu veux. Tant que tu me laisses le chemin, moi je m'en fous. Go, route 2. Allons-y. Tu vois les arbres bouger là-bas? Ouais. Te saute dessus. Ah bon, ok, bon, moi, on va voir ça. Enfin, si je peux y aller. Miaouss, bon, on s'en fout, j'ai déjà. Alors, efficace, efficace. Hop. Malheureusement que je suis que level 7, je suis comme lui. Pas très efficace. Ah, tant mieux. What? D'où t'es pas ton petit connard? Attaque? Combo griffe. Voilà. Allez, au moins 3. 2, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il a? Tête de fer. Et là, il meurt. Exact. Cool, niveau 8. Je ne sais pas s'il évolue, en combien il évolue. Enfin, si, il évolue logiquement, mais bon. Quand même saut dessus direct. What? Oh, il mit un Makuhita. Ils vont foutre un coup de poing dans la gueule, tu vas voir, je le sens. Bon, est-ce qu'il ira... Ah, je suis plus rapide que lui, cool. Oula, calme-toi. 7. Ouf. Alors Super Bowl. Bon allez, une petite Super Bowl. On va tester. Hein. Bah tranquille. Un nouveau. Niveau 9. Ils sont au moins tous au même, un petit peu près au même niveau. Hein. C'est quoi tout rapide?
Une attaque tournoyante pouvant aussi annuler par exemple l'étreinte. Ouais, mais bon, il est pas non plus. Bof, non. On garde ses anciennes. On garde ses anciennes. Ajouter au Pokédex. Cool. Fionkel. Ok. Non. Je vais mettre sur note, sinon après je peux m'en rappeler. Faut déjà que je les apprenne, donc. Béoran. Ah, c'est vrai qu'il met un objet à chaque fois. Enfin, pas à chaque fois, mais de temps en temps. Bon, si on marche un peu, il y a quoi? Ouais, je fais 2-3 trucs, mais pas plus. Faut pas non plus abuser. Hop. Ouf, il n'utilise que 1. Oui, par contre, je vais pas utiliser ça pour juste truc. Je verrai pas l'intérêt. Hop, KO. Tranquille. Alors j'avais dit 2, 3, donc 1. Ok, tu auras des miaous, petit con. Oh, il a la chance d'être un shiny. Hein. Tête de fer. L'attaque, ok, bon, c'est pas grave, de toute façon ça tue quand même pas mal. Oh, mais il est level 10 lui. Ah, ok. What, merde. Connard. C'est ma faute. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. Pic pic. Toc. Bon, là, c'est normal. Et il veut attaquer pour tuer avant moi. Normal, voilà. Ah, cool, il monte niveau 11. Cool. Voilà. Et donc, un autre, un dernier. C'est pour Rofik. Je crois pas que je l'ai. Bah évidemment qu'il me détecte sur la piste là-haut. Voyons voir, qu'est-ce qu'on va mettre. On va essayer ça déjà pour voir. Choc mental. Bon, ça va pas très efficace. Pas très efficace, évidemment. Ça, les bâillements. On va essayer l'endormir. Fais dodo. Hop. On fait dodo. Eh bien, t'écoutes ton maître. Hop, Pokéball. Logiquement, tu dors, tu peux pas fuir. Hein. Ne me fais pas chier. Soporifique. Et un de plus. Pour le prochain hypnomade, mais je sais pas en combien. Donc c'est pas grave. Non! Je m'en fous.
graphique. Donc désolé, hein, je prends mon crayon. Donc vu que je suis gaucher, vous allez rien voir. Minuscule. Alors, comment c'est écrit ce bref? Bon, donc la main. So. Po. Ri. F. I. K. Ok. Et donc le dernier, voilà. Et c'est bon. Ouais, voilà, on s'en fout celui-là. On va quand même un petit peu avancer dans le jeu. Je vois ça en off. Connard. Ok. Ok, bah tant pis pour toi, t'es mort. Putain, tu fais chier, connasse. Bon, je vais faire fuite jusqu'à ce que j'y arrive, hein. De toute façon, pas le choix. Hein. J'ai pas envie de, voilà, pas envie de le tuer, mais bon. Voilà. Ah, elle, c'est une dresseuse. Bon, bah, hop, ok. Tu fais tour des îles, non? Elle a une petite épreuve hein, pour toi, ok. Pourquoi pas. Go, 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 go. Un fantôme. Hop, avant qu'il me tue. Il fait chier. Hop. Un état de morve. Ça échoue, tant mieux. Tiens. Marrant ses yeux. Mais j'ai même l'intention de m'échapper, hein. Putain, ça n'affecte pas, connard. Ok, bon, ça c'est bon. Je ferai soin après, hein. On va aller descendre, ça fait du pognon. On avance. Le cimetière est un peu plus loin, ok. Donc là, on peut toujours pas y aller. Pokémon tueur, ok. Ok, bon, là, il y a rien de spécial. What? Merde. Ouais, il fallait de toute façon. Sans bol. Juste une fois pour voir. Oh bah tiens. Il est mimi lui. Niveau 8. Et évidemment, il dort. Connard. C'est quoi ça? Non. Déjà, on va leur remettre de la vie.
Ensuite, j'ai un pour... Ben voilà. Il se réveille. Attaque-moi si tu veux, je m'en fous. Non. Ben il ment. Allez, endors-toi. Il va se tuer lui-même, ce con. Ok, maintenant ça. Et il fait dodo, c'est bien. Hop. Allez. Et demain. Lui, il évolue pas, apparemment. Pourquoi pas? Bah, le cimetière, on va voir ce qu'il y a dans le cimetière, vite fait. Bon, logiquement, des fantômes, hein, c'est normal. On choisit sans off les mecs. What? Pourquoi il est vert? What the fuck? C'est quoi ça? C'est normal qu'il soit vert? D'où il est vert, le mec? C'est un shiny ou... Ah, j'ai rien compris. Ils sont pas bleus normalement? Il va toute la journée. Ok, bon ben je sais rien. Donc là, il y a une balle. C'était confidence. Juste voir s'il n'y a pas un bleu ou encore essayer tout le temps vert. Si tout le temps vert, ok, bah sinon. Oh, j'ai tué un shiny alors. Putain, première fois que je joue, boum direct. Putain, contre la classe. Bon, bah, sans j'ai raté là après. Hein. Je suis trop content. Là.
Gentleman. Un truc. Il y avait combien? 9. Hop. Il est combat, je crois. J'en sais rien. Mais bon, il est vraiment assez efficace. Ouais, voilà. Oula. Ah oui, là, oui, c'est vrai, c'est ça, il se gonfle pour après attaquer. Eh ben, allons-y. Il cogne et je suis mort. Ah, bon, ça va. Quoique. 2. Je peux faire jusqu'à 5. Ouf. Bon, bah, c'est bon, il est mort. On parle plus. What the fuck? J'ai pas vu, il a remis de la potion? Putain, j'ai regardé la télé. Ah bah quand même! Ok, c'en est un. Je ferai après. Voilà, bon. Bon, on s'attire du truc. Et puis au prochain épisode. Oh, fantôme. Par contre, il n'est pas vert. 10. Qu'est-ce que je peux faire? Au pire, je m'enlève. Ouais bon, ouais, bah, je peux pas fuir, je suis bête si je dors. Il est chiant avec son connard d'hypnose, lui. Il fait chier. Allez hop, t'as de morve. Regard noir, oui, d'accord. Oh. Qu'est-ce que tu me fais peur? Mais de toute façon maintenant je vais t'attaquer donc Et voilà, on n'en parle plus. Bon les amis, on va s'arrêter là. On va regarder pourquoi il est vert l'autre. Enfin, je peux pas, je bête il est au PC. Enfin bon voilà quoi. Donc bah, merci de m'avoir suivi. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un commentaire. What? Où je suis là? Oh putain, faut remonter là. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a à faire là? Ok. Au moins, on s'arrête là. Et puis, de toute façon, au prochain épisode. Merci à tous et au revoir.